on est dans l'atelier de recyclage. Donc on a toutes les machines nécessaires au recyclage, à la transformation du plastique. Donc on a cette première machine qui est un broyeur, qui permet de couper les déchets en petits copeaux. Ensuite, on a un bac de lavage pour séparer les polluants des plastiques. La troisième machine qu'on a ici, c'est une sorte d'essoreuse. Et à la fin de ces trois étapes, on a du déchet qui est trié, broyé, lavé et séché. Donc déjà une matière qui est prête à être revalorisée. Avec cette grosse machine qui s'appelle une extrudeuse, on va mélanger et chauffer le plastique. Et en sortie, on va obtenir une pâte visqueuse. On va pouvoir la remettre en forme dans des moules. Ou alors, on a des formats un petit peu plus petits à travers cette presse. Donc là, ici, on a des moules de taille et de forme différentes. On fait un peu ce qu'on veut, en fait. C'est le moule qui définit l'objet qu'on va créer. Il y a du déchet qui existe, qui ne sert à rien. L'idée, c'est de le transformer, de lui redonner une valeur économique et créer localement de l'emploi et créer une économie autour de ce déchet-là. Et on a un deuxième aspect qui s'appelle bulle de futur, donc construire le futur, où là, on travaille sur des aspects de réduction, de sensibilisation, et essayer de construire un monde sans plastique pour éviter d'avoir du déchet qui soit compliqué à recycler derrière.